Salut les amis astros, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'impression 3D. Alors là, je suis sur le site Thinkgivers et on va imprimer une lunette astronomique, lunette astronomique by César 3D. Vous pouvez aller sur le site Thinkgivers et tout télécharger, hein, il n'y a pas de souci. C'est en libre accès, voilà, et en libre partage. Voilà toutes les pièces qu'on va imprimer. J'espère que ça va fonctionner. Quelques petites images de la lunette. Voilà, donc il me faudra une lentille 93 mm sur 800 focale. Je vais commander sur AliExpress. Vous pouvez la commander où vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Il vous faudra également une bobine d'un kilo, soit d'ABS, soit de PLA, selon ce que vous savez imprimer. Parce que bon, moi je débute, donc là j'ai utilisé de PLA, non pas de l'ABS, mais bon, c'est le même prix, les bobines sont au même prix. Donc là j'imprime une pièce, donc 17 heures d'impression pour le focuseur. Vous voyez, c'est assez long, hein, l'impression 3D. C'est une pièce assez complexe. J'utilise une imprimante 3D Creality Ender 3. C'est une imprimante 3D d'initiation qui n'est pas très chère. Elle vaut 140. Moi, je l'ai acheté 145 euros sur Internet, sur Cdiscount. Voilà l'impression du tube numéro 1, donc la 19 heures d'impression. Vous pouvez voir là les petits supports là, à l'intérieur. Là. Ces petits supports vont servir à soutenir des formes intérieures. Parce que pour faire une bonne lunette astronomique, il vous faut donc à l'intérieur du tube des obturations. Va vous permettre de supprimer bien quelques débordements de lumière. Alors bien sûr, le problème c'est qu'après il faut tout nettoyer. Là les deux premières pièces, il faut tout nettoyer parce que vous avez plein de supports à nettoyer. Alors, on les voit encore les supports. Donc là c'est le tube numéro 2. Encore parti pour plusieurs. Bonne dizaine d'heures, voire 19 heures. Voilà, comme je disais, il faut tout nettoyer. Donc là, on prend une pince et puis on nettoie. Voilà, c'est fait, c'est nettoyé. Allez, c'est parti pour le tube numéro 3. Ah non, c'est la crémaillère, pardon. La crémaillère, une pièce un peu complexe, 16 heures d'impression. Donc on a une série de dents à imprimer. Donc c'est quelque chose d'assez précis, d'assez fin. Pour cette impression, j'ai décidé de faire une pièce assez dense. Et de remplir l'intérieur de la structure, de la remplir à 80%, que ce soit bien rigide, qu'il n'y ait pas de déformation. Voilà. Bon, hein. Une grande molette qui va me permettre de faire des mises au point un peu plus précises qu'avec une petite molette. Là, ici on imprime toutes les petites pièces. Si vous téléchargez les fichiers que j'ai mis en lien, toutes ces petites pièces sont séparées, donc moi j'ai préféré les imprimer tous ensemble.
c'est plus rapide et plus économique. Entre deux, voilà, la lentille commandée en Chine est arrivée. Je vais la déballer devant vous. C'est une lentille achromatique de 93 mm de diamètre avec une focale de 800 mm. Alors elle est soi-disant traitée multicouche, mais bon, là j'ai un doute. Et je ne suis pas expert en optique, donc je ne sais pas, mais il me semble que quand on a un traitement multicouche, la lentille a des reflets qui ne sont pas blancs, mais bon, je peux me tromper. Si quelqu'un peut me confirmer en commentaire, ce serait super. Voilà, c'est le tube numéro 3, c'est le tube qui va porter la lentille, justement. Donc, et le pare-buée. Donc le pare-buée, c'est la partie qui est en bas, plus épaisse. Ça colle bien, hein, des fois. Voilà, encore une fois, pas mal de travail de nettoyage à faire avec une pince. Ben voilà, 96 heures d'impression, 800 grammes de filament. Voilà ce que ça donne. Toutes les petites pièces, etc. Il vous faudra de la visserie. Et j'ai choisi de prendre également un sèche-cheveux. Pour dilater le plastique, ça permet d'emboîter les pièces les unes dans les autres facilement. Voilà, là j'assemble tout pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est quand même sympa, hein. Je vais mettre le bloc crémaillère dans le focuseur. Voilà qui est fini. Je vais assembler toutes les petites pièces. Donc c'est assez astucieux, la petite barrette là. Et la roue dentée. Voilà, on met une partie d'un côté, une partie de l'autre. Voilà, c'est fait. Un petit point de colle. Voilà. Bon, Maurice. Mon brave Maurice. Ah, ça fonctionne plutôt bien. J'ai été assez surpris en fait. Ça fonctionne super bien. Bon, moment délicat. Il faut positionner le côté bombé de la lentille vers l'extérieur et le côté plat vers l'intérieur de la lentille de la lunette. Voilà, là, je dilate. Hein. Et voilà, c'est fait. Alors un petit adaptateur 2 pouces vers un 25. Voilà, je ne l'ai pas imprimé, hein, mais vous avez les fichiers pour l'imprimer si vous voulez. J'en avais déjà une. Un petit manchon anti-buée avec un petit tapis de sol à 5 euros, Décathlon. Voilà, c'est fait, c'est super, ça a de la gueule. Hein. Alors il ne me restera plus qu'à peindre à l'intérieur en noir. Voilà, tout simplement, parce que sinon ça va faire des reflets. Voilà les amis Astro, la lunette 90-800 est imprimée. Il n'y a plus qu'à. Allez, bonne soirée et bon ciel.